Noël on l'a déjà. Ouais, la défense militaire faut Noël on l'a déjà, mais la défense économique et la défense sociale moi transformé yo en sécurité sociale, sécurité économique et sécurité foncière. Parce que il y en a plus gros problème monsieur Nabeya, c'est que par contre qui compte aujourd'hui que qui a dit c'est pour lui. On fait une bâtisse sous lui au problème. Diaspora Gontel, il faut régler ce problème. Et autrefois, c'était la répartition des terres sur les alibes. Aujourd'hui, c'est la protection des terres. Donc, il faut nous réadapter le programme. Nous-mêmes, nous mettons en quintuple sécuritaire. Maintenant, pour venir à la comparaison d'aujourd'hui, c'est que, on regarde sur le plan sécurité. Bon, l'armée qu'il a, moi-même, moi je ne pas parler de l'armée. Parce que pour un officier de l'armée, si je a parlé de l'armée, puis je parle de ça qui est là, je ne sérieux. Je ne parler de l'armée. Maintenant, regardons la police. Et hier, j'ai parlé de la police. Et Val, ce n'est pas avec gaieté de cœur que m'a parlé de ça là. En nous faisant comparaison, la police nationale, à l'heure actuelle, a un budget de 9 milliards de gouttes boulées. Nous sommes en 2020. L'armée d'Haïti, en 1994, a un budget de 240 millions de gouttes. C'est vrai, si tu prends. Et soumettre goutte goutte gagné en 94 là, ok, il n'y a pas de même valeur à goutte ça. Parce que le ça, disons, ou tu gagnes un goutte qui te vaut et que 15 gouttes te vaut en dollars, là tu es à 60 gouttes. Bon, même si tu as multiplié, disons, par 4 pour jouer tout 60 là, il n'y a pas sérieux parce que, laisse-moi te faire 1 milliard de gouttes, mais 1 milliard de gouttes. En 1994, écoutez, il vaut plus que justement 1 milliard de gouttes qu'on y a. Mais, pas oublier, nous avons 1 milliard, non, pour la police. Nous avons 9 milliards. L'armée avait 5 000 hommes. L'armée avait 7 000 hommes. 7 500 en 1994. Là, nous avons police, il y a deux fois plus. Qui gagnait environ, disons, 12 à 13 000 hommes, même mettez avec les employés civils, ça fait 15 000. Mais aujourd'hui, dans l'armée, autrefois, Dieu a dit que tout officier de l'armée était officier de police. Dans les règlements généraux, dans les règlements généraux de l'armée, tout officier de l'armée était officier de police. Aujourd'hui, la police ne remplit pas le rôle de l'armée. C'est-à-dire, tout officier de police n'est pas un officier militaire. Donc, l'armée avec 7500 mounes, t'es joué le rôle de la police et le rôle des frontières et le rôle de la sécurité. Parce que la police, c'est pour la protection des vies et des biens. L'armée. C'est pour la défense. C'est pour la sécurité du territoire. Le territoire. Donc, le territoire protégé par l'armée et à l'intérieur, il y a les vies et les biens protégés par la police. C'est pour cela que le rôle de l'armée et de la police était complémentaire. Mais autrefois, l'armée jouait ces deux rôles. Pour 294 millions de gouttes. Maintenant que nous avons l'armée, dernier budget, l'armée, ça a gagné environ 1,5 milliard. Si on va ajouter à près de 9 milliards, là, ça a gagné 10 milliards 500 allés dans deux forces. Pour les deux forces. Est-ce que nous gagnons un service pour ça? Non. La police que nous gagnons, il y a deux problèmes. Et l'homme dit problème, yo, moi, pas derrière acculer la police. Mais moi, derrière, expliquer à la population. Parce qu'à partir de ça, je dis, il faut aller pour qu'il y ait kidnapping, pour qu'il y ait gang, pour qu'il y ait tout le bail. La police, il y a un problème technique. Grand général africain qui te dit, quand la police ne peut maîtriser les bandits, c'est-à-dire que les bandits se retrouvent à l'intérieur de la police. Je dis, la police a un problème technique. Sans beaucoup arriver dans la politique là. Premier problème technique. Mais si nous regardons, la police n'a pas d'information continue. La police n'a pas d'armes basiques. C'est-à-dire que si on rencontre 7 policiers, pas de gens qui ont les mêmes armes. Pas de gens qui ont les mêmes armes, non? Même si on rencontre 7 policiers en uniforme Kremlin, il y a qui ont 38, il y a qui ont touristes, il y a qui ont maintenant, il y a qui ont l'autre arme. Et normalement, chaque arme a une munition par eux. Là, il y a 9 mm là. Dans 9 mm là, il y a 40 là. Ou bien 39 là. Ça veut dire que même 9 mm, pas même. Ni dans 38 là tout. Il y a plusieurs séries à l'intérieur de 38. Yon, ça, c'est pas gagné de l'autre avec même Zabza. Moi, l'explique. Sous mon équipe de 10 policiers, il y a une balle définie, il n'y a pas gagné à l'autre là. Dans tout corps, il y a ce qu'on appelle l'arme basique. Parce qu'aux États-Unis, c'est le M16, le M16. Si soldats américains ont des problèmes, là, n'est que pour le chargeur de l'autre, limité.
Parce que, justement, l'âme basique sert à s'entraider et à avoir et à maintenir la puissance de feu. Ou bien problème de formation, ou bien problème d'âme basique, ou bien problème d'unité, parce que unité yo, qui forme yo, yo pas jamais adapté yo à règlement. A dit grand pays unité qui forme boy tout là, yo pas bon règlement. Yo pas dans loi sur police là. Donc ça veut dire que unité ça le fait que yo pas légal, yo prend n'importe qui baille pour yo, yo dit n'importe qui baille alors que on unité doit que ça aller on SOP, on standard operation procedure pour que dès que vous entrez la donne, ou qu'on est 1, 2, 3, 4, mais ça fait, je dis à l'unité à un commandant, le fond bagaille, demain, l'autre commandant est changé, ou pas qu'à gagner la police comme ça. Là, je vais parler de la technique. Oui, et puis le plan de développement de la police, qui était 2016-2021, soit à regarder le plan en val, je vais vous demander une copie de plan, ou après que ça qu'a fait dans le plan, pas de ça du tout. Non, dans la pratique. Oui, dans la pratique. D'ailleurs, c'est le BINU qui était responsable pour suivre question plan. Parce que selon plan, la police s'est retrouvée là à tel niveau. Actuellement, pas la donne. Donc, je ne vais pas avoir plus de problèmes techniques parce que je suis un responsable. Mais, sénateur, et sous problème technique, là, nous songez récemment, tu es un duel, de vision, de conception des choses entre le DG de la police, bon, ça s'est passé au Palais National, vous êtes au courant certainement, et le PM. DG a dit il y a un problème. Le moyen, et PM n'a dit, puis Gamoun a vu une plaie, donc c'est comme si j'ai la palais à des moyens. Est-ce que, entre deux mounsaïos, selon soit expliqué là, Gayon n'a pas maîtrisé question, entre deux mounsaïos, sénateur, qui est-ce dans yo? Parce que, on ne parle pas de problème là, des problèmes majeurs, ça c'est un, et deuxièmement, qui ça qui explique que il y a tout problème technique ça yo, alors que mon paquet DG qui passait dans PNH là, c'est deux monde qui étaient dans la police là, c'est soit prend Michel Angéléon, c'est deux monde qui prend grade, ils sont si pi bas niveau à arriver là. Moi je suppose que il y a un problème là, problème yo. Qui ça qui explique que pas jamais gagner en amélioration dans problème technique que on parler là yo. Parce que la police là il y a deux temps. Il y a le temps administratif, il y a le temps opérationnel. Un policier en général, il doit gagner chaque trois mois, par exemple, il doit aller en tir. Il doit aller en opération de tir. Parce que le policier qui est expert, là, après trois mois, s'il n'a pas tiré, il devient sharpshooter. Il faut le tirer. Maintenant, le policier qui lui-même n'a pas suivi le tir, là, dans la tête, lui, c'est expertise, après six mois, il parle encore. À un certain moment, il y avait un accompagnement de la ministre, de la minuia, qui était fait que il y avait un bon minimum d'entraînement. Aujourd'hui, moi-même, je dis, pas d'entraînement ça encore. Pas d'entraînement, je parle de ça, il y a la formation continue. La formation continue, c'est que police qui te gagne, disons, formation en droit de l'homme. Mais après six mois, il y a l'autre notion pour l'apprendre. Et le policier, ça c'est policier, policier qui sortit en académie, physiquement, monsieur te qu'on fait, selon le procédure physique, il faut te faire 50 sit-up et 100 push-up. Mais est-ce qu'après 6 mois, s'il fait le même physique là? Donc, ça veut dire qu'autrefois, on le faisait. Mais aujourd'hui, et policier qui peut entraîner, à moral, il n'est pas même genre. Parce que le soldat qui est entraîné et qui a une arme, niveau 10 soldats qui non entraînés, même si on est amené. Parce que c'est entraînement qui bon au moral. La confiance. C'est ça. Donc, je dis, je n'ai pas besoin de quoi pour ça. Pour faire entraînement de la police, tellement des anciens policiers, tellement des officiers, ou tu as fait appel à toute personnalité, ça yo, puisque l'académie est là, pour que, justement, ils forment, monsieur. Yo. Et là encore, si on a un quoi pour te manger, ou tu as fait entraînement de 9h à 1h. Bien, sénateur, pendant que nous avons rubrique insécurité, hein, qu'est-ce qu'il y aura demain et qui comportement la police? Ça va okay, demain. Bon, fin de bon, l'autre là. Je dis, police a un problème technique. Maintenant, il y a le problème politique. C'est que dans les règlements de la police, pour affecter un commissaire, dans la loi sur la police, c'est le directeur général. Nous voyons que le directeur général a un droit affecter un nec d'Elma et puis il met l'autre monde. Donc, le contrôle, le leadership de la police est politisé. Il y a des choses que j'ai dit déjà, parce que j'ai écrit, ça m'a dit là, j'ai fait une recommandation par DGA, j'ai fait les 12 mesures à prendre pour parler à la question ça. Il y a des choses simplement pour DGA qui a fait.
Et n'importe qui est ça, m'a dit le fait là. M'a parlé, tout le monde a entendu. DGA a dit qu'il y a 13 000 policiers, disons. Combien effectifs là, DGA? Disons 13. M'a dit, mais DGA a dit combien de policiers qui travaillent. Ou qu'on est en pénalité, il y a des policiers qui affectent là-dedans, c'est l'autre mission à faire. Ah ouais. C'est-à-dire, est-ce que le DG a le contrôle de ses policiers? C'est la première chose qu'on est doit faire pour qu'on ait combien de. Il y a un nombre de policiers sous papier. Mais est-ce qu'on a combien qu'il a? Par exemple, allant n'importe qui poste de police, disons à Saint-Michel. OK? Ou bien, ouais, c'est 25 policiers qui affectent, oui. Mon gars, j'aime jouer. C'est le même pas quoi, tout non, ça, non? Sur papier. OK? Sur papier. Et pour nous, ouais, c'est 10 policiers, oui. Quand vous montez, descendez. Mon Saint-Michel, vous voyez combien de policiers qui Saint-Michel? Bon, c'est ça, ça très important. Gardez. Je ne peux pas dire ça. Vous voyez combien de policiers pour moi? Justement, ou bien, ouais, c'est 25 affectés. Vous avez ça. Dans le registre là. Mais, ou bien, ouais, par tour de garde, ou gagne 5 nègres qui là pour ce maintenant, ouais. Et puis quand le Port-au-Prince, il y a 5 qui retournent. Donc, ça veut dire que si vous pas contrôlez les policiers, premièrement, tu n'as pas le contrôle physique, mais et le contrôle sécuritaire, ça ouais. L'autre, tu as fait. Mais la bonne âme, même, la montée des sons, la toute bagaille. Est-ce que l'affecté ont l'autre mission? Est-ce que c'est affecté par l'affaire? Pourquoi il n'y a pas ce contrôle? Les gens qui affecté à des officiers, des sénateurs? Non! Ça m'a pas l'ouïe beaucoup dans le cas ça. Ah, ok. Ah bon? Dans le cas de effectif. Non, mais qui mission? L'autre dit l'autre mission, sénateur. Parce que deux missions, les officiels, ils disent c'est pas cas ça. Qui l'autre mission, sénateur, ou français, qui des policiers? Parce que pour moi-même, c'est ou bien un policier li affecté dans le commissariat, ou bien li affecté à des officiels, des sénateurs, des ministres, etc. Ça veut dire, selon ce qu'on dit là, sénateur, il me pensait que vous parlez de bonne foi, parce que vous avez des informations. Et vous êtes ancien garde. Vous avez l'autre troisième mission que les policiers ont affecté à lui, sénateur. Oui, comme je vais aller. Non, il faut pas aller pour pays. Non, non, c'est la sénateur. Je dis à sénateur, là, tu n'as pas faire enquête sur toute bagaille. Même mettre son pisse, comme c'est, je vais aller. Sénateur. Et puis, regardez, dès que vous faites Saint-Michel seulement, où est-ce que ça peut passer? Moi, je vais la caillou. Ah bon? Oui. On va commencer à découvrir. Il y a des formes à le fond. Non, on va faire des formes. C'est 3, 4, 5. Avant de faire des formes, on arrive par le national. Fais le tout côté, oui. Fais l'ISGBN, fais le 4 teams, fais l'IS. Fais le tout côté. Ça veut dire qu'il y a des autres qui sont affectés à de l'autre mission. Ceci veut dire que tu as une police faible technique et politiquement. Et population de Konen, parce que c'est 9 milliards que nous baillons pour sécurité, nous. Qu'on y a, la police tellement faible technique et politisée. Il y a des gens qui campaient, c'est comme Gadou, ils ont dit, l'ONU dit que depuis que j'ai 9, hein, il y a la sécurité baissée. C'est-à-dire, son parole pour que toute police ait démissionné, oui. Parce que tu représentes la loi, on te donne un salaire, des taxes de monde, tu as le monopole de cette violence. Symboliser l'autorité. L'autorité. Et puis, qu'on y a une essence internationale qui dit, c'est G9 qui fait que. Eh bien, il y a des gens qui parlent. Le sénateur n'est pas dans la bêtise, il y a passé, non? Pour le montrer. Tout pays a. L'état de faiblesse de l'État. Pour vous montrer que nous ne sommes pas un pays. Peut-être que G9 là, il y a des projets qui ont exécuté, qui sont financés par l'international, tout. Non, ça, nous déjà connaissons. C'est là. Nous parlons de. C'est pas ce fond de ça. Non. L'ONU te dit que la BID, hein, il y a 40 millions qui ont bail pour des projets dans les zones, hein, dans les zones, dans les quartiers populaires. Donc, là, yo te gardé, yo te wè comme ça, c'est dans ça que le dendré, dans la gang, et puis la BID oblige de mentir. Ah oui, ma contre, vous avez changé ça. Il y a une note de la BID qui dit comme la balle dans ça. Donc, ça l'a dit finalement. Donc, hein? Il dit oui, c'était pour des projets et à caractère social, c'est pas une question de gang, l'idée mettez-le. Mais l'ONU dit que le rapport. Je pense que, sénateur, si n'a pas gardé bien, si la police nationale. Et puis c'est pendant que j'ai 9 enfants miés alliés qui criaient insécurité à venir baisser, j'ai l'impression, selon l'international, l'entité qui dit dans l'ONU, la police nationale va pas voir. Non, non seulement la police va pas voir, mais l'ONU, rété, ça nous est toujours dit, c'est une institution de paravent. Parce que si vous regardez bien le nombre de kidnappings qu'on a fait dans le pays, combien de gens ont kidnappé. Mais ouais, parce que ouais. Si l'ONU te gagne, si elle te fait travail, elle te gagne au moins donné ça, elle va te dire ça. Comme le Haïti pas représente rien pour eux, il faut faire un rapport et toucher les $25,000 américains par mois.
Parce que monsieur, ça touche en pile, lui. Ah bon? Ah oui, il a touché, il a gagné frais de risque, il a gagné tout le bagaille, il a gagné billets, il a gagné tout le surtout là en Haïti. Presque vous touchez et deux fois comme là, à cause de primes de risque. Mm-hmm. Donc, monsieur, on touche en pile. Nous-mêmes, là, nous gardons des pays, et puis nous avons reposé sur monsieur Zao, nous ne pouvons pas prendre tête au sérieux. Parce que nous-mêmes, comme petit employé international, c'est l'essentiel, combien de corps il y a touché dans le pays. Il y a des rapports, Bombaldo, il y a des rapports qu'a fait sur Haïti. L'on garde un rapport là où est Sierra Leone. Son rapport que vous prenez, puis vous changez, vous adaptez là, pour vous présenter. Donc, en fin de compte, nous, le jour que nous décidons, n'a pas responsable tête nous, c'est laisser à nous prendre tête nous au sérieux. Parce que ça qu'a fait là, notre salut ne viendra pas ni de l'ONU. Est-ce qu'il y a une interprétation spéciale de la part de l'opposition? Le par exemple, l'ONU dit insécurité en BC avec G9 et en famille alliée, et en fait gagner des indices, si vous voulez bien, qui couraient ou bien qui mettaient en relation le pouvoir en place et G9 en famille alliée. Est-ce que nous avons une interprétation qui fait? Puisque l'international, la Corée pouvoir en place, G9 en famille alliée, vu position, les dernières positions que le bras là, montrer que les ont déjà plus proches, monsieur Zao, selon tout ça qu'a dit. Est-ce que nous avons une interprétation qui fait de déclaration ça? Moi, je pense que l'ONU a des rapports, les combats en Somalie, dans le pays Zao. Nous ne sommes très pas reçus. Yo prend yo remplacer non yo ouais ka gen des seigneurs de la guerre k'ap goumen nan zone yo qui mettait tête yo puis retire seigneurs de la guerre là mettait pas G9. C'est le plus souvent c'est des rapports transposés que l'ONU fait. Okay. Donc on appelle un rapport de l'ONU sur un pays et pour un non l'autre pays la donne. Mm-hmm. Parce que c'est pays non le pays yo prend yo font copier-coller. C'est pour ça moi dire yo institution ça yo depuis formation l'ONU peut-être yo dou l'ONU était peut-être nécessaire pour certains pays pour le dériver, mais pas gain ou évolution qui fait. Et pas compter sur pays ça yo pour développement ou bien pour sécurité pays la caillou. Mm-hmm. C'est une volonté nationale qui doit y avoir. Mm-hmm. Et dans ce sens ça je dis moi pense que dans situation ça li extrêmement important pour nous dire actuellement sécurité noir. Alors la police est au plus bas. Et il est extrêmement important pour nous gagner des institutions fortes de police et d'armée. Parce qu'il faut rétablir l'ordre. Il faut que citoyens, c'est le cas séculé dans la rue et bandit à la prison. Mm-hmm. Je veux dire, c'est l'inverse. Ou après que bandit a dit que moun va prendre la rue. Mm-hmm. Alors que. Avant d'aller bout demain, sénateur, présentez-nous, il semblerait que, parce que vous connaissez que Jean Val t'explique le talent, pas Val seulement, enfin, tout. En pile monde dans le pays, on connaît que tu as gagné de fissures, de petits problèmes au sein de l'opposition. Mais par contre, c'est une forme d'alliance ou bien qui s'est passé? Parce qu'il y a un ensemble de partis politiques qui t'assemblent là, dans le dernier moment là, dit que ils font tête collée et puis pour demain tout, vous avez une réponse. Changer la dernière émission que je devine là, Nasco, moi t'ai parlé de ce que cap bon pour nous. Que ce soit dans l'opposition ou bien au niveau du pouvoir, moi pense que nous avons besoin d'un leadership collectif. Mmh. Parce que il y en a pas qui posait. Je parle aujourd'hui comme leader de, comme il y en a leader opposition. Mmh. Mais je ne suis pas appelé à rester vite à éternam dans l'opposition. Mmh. Je suis appelé un jour soit à prendre le pouvoir ou à prendre le pouvoir avec les autres leaders. Mmh. Donc ça veut dire que leader que nous y est aujourd'hui, pendant nous dit ça n'est pas bon, ça fait le quintuple sécuritaire. Mm-hmm. Nous avons un plan dans une opposition pour que faire après. Et leadership pour développer ya, dans la gouvernance, leadership de gouvernance là, n'est pas différent de leadership de contrôle là. Mm-hmm. Je dis à m'a dans leadership de gouvernance là, c'est-à-dire le pouvoir. Mm-hmm. Même dans leadership de contrôle là, dans le leadership d'opposition, et quel que soit le leadership ça, en Haïti pour le moment, moi pas croire que le leadership est un style individuel, ni charismatique, le leadership est collectif. En Haïti, nous avons besoin de leadership collectif. Pour qui ça? Parce que le pays a émietté. Et il y a différents mondes, eh bien, qui ont exercé le leadership, qui ont même racolé les bouts pour former
pour retrouver cette majorité et un leadership collectif côté chaque monde a joué rôle. Moi pense que le pays a pas émietté. En 90, qu'est-ce qu'on avait? On avait un leadership charismatique côté que il y avait une telle opposition par rapport. On a maintenu une opposition par rapport au Duvalier et au Téguéré parce que 90% de monde dans le pays qui vient dit, eh bien, ma coupe pas la donne, il faut y aller. Mm-hmm. Et le père Jean-Bert Aristide a conçu un leadership charismatique mm-hmm. qui n'était pas collectif. Malheureusement, il a adopté le leadership charismatique là pour la gouvernance. Et c'est là que ça a échoué. Parce que dans la gouvernance, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il fallait arriver à faire sortir ce pays pour que, en plus des droits civils et politiques, j'avais dit ici, prévalaient les droits sociaux et économiques. Mm-hmm. Il pas arrivé à faire ça. Il était dans la politique là, qui c'est droits civils et politiques, avec gardons quelques places, pas vraiment aux économies sociales. Mm-hmm. Maintenant, il y a différents types de leadership qui viennent après, mais quel que soit le type de leadership qui vient après, on a essayé de faire un leadership individuel mm-hmm. ou bien charismatique. Moi, je pense que nous avons besoin de leadership collectif. Et dans l'opposition, il nous faut ce leadership collectif. Maintenant, est-ce que le leadership collectif est facile? Non. Tu as plusieurs types de leaders qui se mettent ensemble. Il y a qui leader, ils pensent que c'est bon Dieu que vous voyez. Il y a qui leader, ils pensent que Dieu dit que c'est dans la critique que le leader. Il y a qui leader, qui ont même pensé qu'ils ont participé dans la construction. Alors que leader a, c'est comment pour arriver à faire un bail marché. Comment pour arriver à mettre tout le monde ensemble pour faire un bail marché. Leader n'est pas lui qui exécute, non. C'est lui qui prend 10 personnes, lui mettre tout ensemble pour réaliser quelque chose. Mm. C'est peut-être ça le besoin de leader, make leaders. Il faut faire l'autre leader qui pour arriver à faire un bail marché. Et donc, pour cela, c'est un leadership collectif. Mm. C'est un ensemble de leaders qui peuvent faire marché. En Haïti, nous pouvons arriver à expérimenter ça. Et là, il y a un pile problème. Parce que le type de leadership charismatique, là, il y a des gens qui veulent devant. Il y a des gens qui veulent que c'est eux qui sont chef. Il y a des gens qui pensent que son leadership individuel ou bien très bon, les chiton côté au 17 mois mené. Non. Le leadership collectif permet de se mettre ensemble à travers un esprit de corps et de réaliser quelque chose. Pour cela, il faut qu'il y ait un sacrifice qui fait. Si moi-même, sénateur la tortue, moi, je dis que moi, j'ai un doctorat. Ou moi, j'ai un doctorat. Mais il faut m'accepter, nègre, qui c'est leader paysan, pagain. Il faut me connaître son leader pour me respecter. Et pas ça pour me mettre devant, non? Ni l'autre nègre là, tout faut le connaître ensemble, d'être mettre, oui. Là, ce n'est pas une question de mettre toute caractéristique individuelle devant pour bras devant, non. Mm-hmm. C'est mettre toute caractéristique individuelle au service de la collectivité. Mm-hmm. Ce n'est pas facile. Et c'est ça, d'un point là, de temps en temps. De temps en temps, nos groupes, eh bien, on sort de leadership qui voulait charismatique ou individuel, qui voulait aller, qui vous craser collectivité de guerre. Cependant, nous faisons des efforts. Parce que si nous pas arrivé à faire leadership collectif là, comment gouverner après? Mm-hmm. Comment gouverner après? Après, on va dire, j'ai fait la révolution, je vais me tout bailler pour contre. Non. Je crois que c'est une expérience qui est en train de vivre l'opposition. Et la direction, les partis politiques de l'opposition, la direction politique qui paraît hier là, c'est un pile effort qui fait pour que nous rassembler, même lorsqu'il y avait des problèmes. Mm-hmm. Et nous allons rassembler un pile l'autre monde toujours. Et je dis à moi, penser que nous apprenons, nous avons expérience. Et le plus souvent, le monde pique devant ou bien là le devant, ce que je demande aux autres leaders, c'est pas courir pour une décision. Parce qu'on peut se voir. On peut se parler parce que l'objectif c'est Haïti. Mm-hmm. L'objectif c'est ni le sénateur la torture, beau plan, non. L'objectif c'est comment sortir Haïti. Mm-hmm. Et il faut nous faire sacrifice pour Haïti, côté le bois nous mettre à côté pour que nous fassions sortir le leadership collectif. Mm-hmm. Et je t'assure, c'est à travers le leadership collectif que nous allons arriver à construire un bagage qui mène Haïti, Ngadou, de la rive gauche à la rive droite. Mm-hmm. La rive gauche, le sous-développement, à la rive droite du développement. Mm-hmm. Donc, moi, quoi que. Nous avons des problèmes. La première chose, nous ne pas cacher que nous avons des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de différents qui existent. Il y a des problèmes au niveau de gestion. Mais tout problème, ça, il est posé dans les grandes familles. Il y a des gens qui veulent piquer devant. Il y a des gens qui ont la lose. Eh bien, il faut nous arriver, réunir pour nous expliquer tout ça pour favoriser Haïti. Mm-hmm. Ça favoriser eux-mêmes. Yo kalde en élection pour contre yo kalde en cop pour contre yo
mais Haïti pas changé et tout le monde qui a gardé nous a toujours dit pouvoir et opposition c'est même. Là que moi fait partie de cela, Wolpam, c'est où est comment chaque jour, pendant les 24 heures d'une journée, où est comment ou capable à chaque monde pour construire ce leadership. Et là, arrive à faire leadership là, il vient fort, et que vous arrivez à travers ces premières étapes là, de l'après-Jovenel, c'est avec ce même leadership qu'il faut la gouvernance. Parce que, moi parle par exemple du quintuple sécuritaire, il faut la sécurité physique. Mais la sécurité physique, c'est l'armée, la police et l'intelligence. C'est toi, ça, qui pour bon sécurité citoyenne. Hein? Et comment pour arriver, grand pile leader, souverain, et il me rébut moi-même, nous fonctionner en sécurité. Mais ça, a son secteur. Si tu prends la sécurité sociale, la justice sociale, la question de l'éducation, la question de la santé, mais grand pile leader qui a évolué là-dedans. Si tu prends la sécurité économique, la question de la production nationale, la question de. À travers la production nationale, la production agricole, la production tertiaire, la production. Tout ça, il y a l'autre monde qui va fonctionner là-dedans. S'ouvre la sécurité foncière. Quand il y a en Haïti, il faut mettre de l'or, il n'y a pas un cadastre. Donc, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Mm-hmm. Ce n'est pas occuper une direction générale ou un ministère. Tu peux être la tête pensante maintenant en mettant en place des politiques publiques et ou faire partie d'un leadership collectif qui sauve, qui met les pays en l'autre côté. Parce que ce n'est pas dit que c'est moi qui chef, mon chef c'est moi qui fait, c'est moi qui met. Non, on a eu ça pendant 200 ans. Donc, moi je pense que dans l'opposition, il y a des problèmes. Et nous arriver à reconstruire la direction politique là. Et ça, c'est un effort. Dans plus d'autres efforts qu'on fait, dans plus de groupes qu'on met ensemble dans le Nord. Et un jour, on va retrouver. Et moi je pense que le ça a vint plus fort. Il faut accepter la différence. Il ne faut pas se mettre de l'avant. Il faut faire tout pour Haïti. Parce que dans le niveau que nous si le leadership là, il échoué, alors que le leadership du pouvoir est déjà échoué, dans qui ça Haïti est là. C'est là, toi-ci. Moi, je connais que vous avez fait parler. Et nous avons posé une question sur le bas, certainement qui est tellement dépassé. Est-ce que, ou même, qui est en opposition, parce que nous avons pile d'influence, vu l'importance, ou pas bah, tout courant que l'opposition, effectivement, est mandat à sénateur, ancien sénateur qui est Sébastien, pour que l'Ital discute avec. Et de l'autre monde. Écoute, on a des questions. Mandat avec qui est l'île de Balthazar. Ouais. Moi-même, moi, question, l'autre gens. Je ne sais pas que l'opposition a besoin de mandat pour la discuter à l'île de Balthazar. Moi-même, je ne sais pas la n'importe qui est. Je suis dans l'opposition. Si le docteur Kelly Sébastien, qui était président de la Chambre des députés, président du Sénat, il va aller au monde. M'oblige à surveiller ou bien le mandat. Ce n'est pas le président de la République, non? Ce n'est pas le premier ministre, Lionel Balthazar. Non, mais il le nom, secteur démocratique et populaire, c'est ça le dit. Alors, il est allié. Moi-même, je parle comme ça. Je pense que le sénateur Bastien peut voir un autre leader. Il a parlé avec le sénateur a des convictions. Il a la ligne du secteur démocratique. Il a la ligne du secteur démocratique. Mais est-ce qu'il avait son mandat? C'est ça la question. Non, c'était là, oui, toute la question, sénateur. Mais pour qui ça? Vous pensez que si je dis, disons, je parle de leader de AA, ministre, l'ancien ministre d'Orson, le député d'Or, si elle rencontre au monde, ils viendront quand même faire rapport. Dire que nous nous sommes rencontrés au monde, voici ce qui a été. Il connaît déjà la ligne de AA. Il y a une ligne AA. Faut que c'est l'IAA que vous répétez. Sénateur, bon, disons, bagaille. Non, pour donner mandat. Maintenant, si que Kenyan ont délégation officielle qui vont aller, eh bien, on peut s'asseoir pour désigner une délégation qui va le rencontrer, justement, l'autre délégation. Mais la rencontre avec Lionel Balthazar, est-ce que c'était une rencontre officielle? Moi-même, en pile leader, Lionel Balthazar, son monde que moi-même, moi rencontré avec elle. Je vais sur un autre sénateur, Lionel Balthazar, là, je ne parler. Là, je vais les problèmes, moi, je me dis, mais je bon, nous ne pas jouer dans nous. OK, nous, quand je un point commun, je vais 9 fois, nous allons jouer. Et puis, nous disons, OK, je vais dire, à la revoyure. Mais écoute,
En passant, maintenant, il y a la réunion hebdomadaire du parti. Mais dit, monsieur, j'ai testé le sénateur, j'ai rencontré Yé Baldazar, voici ce qu'il a dit, et voici notre position. Mm-hmm. Et puis c'est fini. Alors, sénateur Baldazar, c'est son autre bagaille, puisque c'est son parti, ils ont une ligne idéologique, mais leur regard des secteurs démocratiques. Ils ont une ligne. Moi, d'accord, non, c'est pas, m'a dit le contraire, non. Uh-huh. Mais avec des tendances qui partent forcément uniques. Maintenant, ancien sénateur, c'est parlementaire. L'ONU a assemblé, par exemple, assemblée a, si on enquête, qu'a fait, assemblée a désigné les gens qui pourra le bail. Donc, et de façon officielle. Les gens désignés, ils travaillent pour l'assemblée. Au nom de l'assemblée. Donc, maintenant, le secteur de démocratique et populaire sont structurés. Si certainement, en raison de, puisque ils symbolisent l'aile radicale de l'opposition, vous avez le constat. Et c'est ça le constat. Maintenant, si on ne peut pas parler dans le noyau, moi, je suppose que, vous connaissez. Et yo peut-être c'est pas un mandat écrit, mais yo bail un mandat. Parce que moi quand on trouve la lia, c'est là, mais au moins c'est clair, c'est pas ça. Okay, oh, position. Moi j'ai vu les différentes notes. Ok. Le sénateur Bastien dit il était gagné. Moi j'ai vu la note du sénateur Beauplan. À un certain moment il y a une réunion. Ils ont accepté que ils étaient parlé ça entre eux. Mais moi je crois que eh bien on devait résoudre ce problème. Mm-hmm. Parce que lorsqu'il y a un problème dans le secteur démocratique, c'est également notre problème d'art. Ah oui, certainement. Puisque nous sommes dans l'opposition. Mm-hmm. L'opposition plurielle. Et moi-même, moi souffris lorsqu'il y a une division. Cependant, moi pensais que, je dis, c'est l'opposé problème là, comme ça, ce que tu l'as vu une plus lourde. Côté que, avant on est, t'as une conversation avec un autre monde, eh bien, il faut t'as un mandat. Moi, je pense que si on doit rencontrer, disons, une commission mise en place par l'international, on doit avoir un mandat. Mm-hmm. Okay. Ou par la présidence aussi. Hein? Par la présidence. Oui. C'est-à-dire s'il y a une commission, exactement. Il y a rencontré, il y a décidé de rencontrer, il faut avoir un mandat pour que vous allez rencontrer. Parce que à partir du moment que vous allez rencontrer, c'est-à-dire vous vous engagez maintenant les autres. Mm-hmm. Mais si c'est une conversation que vous rencontrez au monde, que vous allez tendre, ça l'a dit, pour moi. On a besoin de mandat. Mais dans les notes, j'ai vu, et d'après ce que j'ai entendu dans les réunions, que tu as gagné au mandat que tu bail. Et c'est peut-être ça, moi-même, personnellement, j'ai beaucoup souffert lorsque moi, j'ai gagné division, mm-hmm. parce que c'est des mondes que je pensais qui sont de grand calibre, tous les leaders du secteur démocratique. Merci, sénateur. C'est là où on va le venir. Moi, c'est des leaders complémentaires. Mm-hmm. Il y a chaque bon leadership qui permet à l'autre là pour que vous ayez un leadership. Mm-hmm. Écoutez, c'est leur division, c'est le ça, moi souffri. Parce que moi pensais que vous avez démontré, ça moi-même apprécié là, le leadership collectif. Mm-hmm. Puisqu'ils étaient 12 ou 13, 14 pendant 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Et c'est peut-être ça, moi dire, quel que soit le problème qui gagne, reste dans l'opposition, on va se retrouver hein, à la prochaine passe. Mm-hmm. Parce qu'il faut qu'on se retrouve. Parce qu'on n'a pas besoin seulement des leaders pour l'opposition. On aura besoin de tous ces leaders pour la gouvernance. Mm-hmm. Parce que nous n'avons pas de gouvernance à l'actuelle. Nous avons montré, monsieur, dans la sécurité, zéro barré. Dans le système électoral, nous avons montré, nous, là. Mm-hmm. Je prends les données de l'ONI. L'ONI dit qu'il fait 3 millions 4. Il dit oui, pour moi, c'est 2 millions. Fait. L'ONI dit qu'il distribue 2 millions. Ceci pendant 2 ans. Mm-hmm. De 2018 à 2020. Comment pour faire reste 4 500 000 critères. Ou pas le prendre, fait le chiffre de 3. Si pendant 2 ans, ou tu fais 3 millions, eh bien, qu'on y a, pour faire 4,7 millions, combien, dans combien tu vas faire? Alors, ça y a, mettons bouché double. Et sous garde, tu vas prendre 3 ans. Je vais mettre bouché double, sénateur. Moyen technique, je suis supposé. Moi, je vais nous donner information. L'on a besoin de 2 millions de dollars que tu fais de demande pour augmenter le matériel. Ni international, ni national, babaline. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ton priorité pour eux. Maintenant que l'ONU dit que l'abjoint, il a fait 11 000 cas par jour, mm-hmm. même s'il fait 11 000 cas par jour, pour 4 500 000. Non, parce que c'est l'erreur. La preuve, plus qu'un an, oui, nous sommes en octobre 2020. Moi, on a un cas qui est certainement au coin de lit. Et je prends Saint-Michel Lacaille que je connais. Tout le monde a venu faire 4 jours, c'est dans cette ville-là où vini. Vous avez venu pas jouer gaz, par un gaz dans Delco. Vous comprenez? Et vous avez au courant des grosses lignes qui gagnent.
on dit comme ça, où t'as fait, question 4 là sont priorité pour vous. Vous mettez au centre de, et m'ta dit, de distribution de confection de 4, la caille, moi, Batsou. Vous mettez on la Lomas, vous mettez on l'Emit, vous mettez on Mamon. Ça veut dire, vous avez une déconcentration. Donc, service là, tout près, Mounio, si vous avez ça comme priorité, c'est là, ça a arrivé. Ouais, ça me dit, ça a arrivé que, par contre, ou pas possible ça du tout. Ok. De 2006 à 2015, l'ONU qui a tout système machine, calendrier, qui a été mobile pour te faire carte, il a fait 6 500 000 cartes. Ça, Mabdoula, c'est l'ONU oui, qui a la communauté internationale la rapport. Ok. Mais dans la réalité, c'est pas ça lié, non? Non, je vais te dire, dans la réalité, c'est lié. Ou on est qui parle candidat PHTK, li réuni au côté, li rassemble moun la kaili. On va chercher des nègres qui sont venus là. Et le monsieur Makone qui est en prison maintenant. Li dou c'est 4. Li kon réuni moun fait 4 la kaili. Oui. C'est de Vilpik. Vilpik. Un réuni fait 4 la kaili. Chaque candidat PHTK réuni moun, parle et puis yon fait 4. Gede là, yon fait 2 4 pour un seul moun. C'est ça qui est là, oui. Sout après exactement combien de 4 effectifs qui diminuent. Ou grave à genou million. Hein? Deuxièmement, l'ONI. La capacité, lorsque tu as 4 millions dans la zone métropolitaine et les 7 autres millions maintenant dans le reste du pays, ou bien 8 millions, eh bien, à partir de ce moment, comment on va le faire arriver pour faire 4 classes ou gagner un parc automobile de 5 machines? Comment on va le faire? Si que vous arrivez dans la majeure partie du pays, c'est le plus souvent, vous êtes obligé d'utiliser l'énergie solaire là parce que il va fonctionner. L'ONU avec l'OEA, tu as fait carte dans le centre-ville. Eh bien, de 2006, hein, de 2006 à 2010, ils ont vu remarquer que plus fort mon nom de remarquer, ils ont été obligés de mettre des cliniques mobiles de tous côtés. Et la carte, c'est deux choses. Parce que leur fait carte là, on va remettre tout. Ils ont dit qu'il y a 1 million de cartes que vous pouvez bailler. Qui imprime ça. Mais l'autre 4 500 000, là, admettons que tu as pris un an et demi pour faire. Il y a pas 3 ans pour distribuer. Parce que son management lié, le système de confection des cartes, le système de distribution sur l'autre bagage. Alors, souviens, monsieur le sénateur, est-ce que pas qu'on a un problème tout? Parce que fait carte dans ces yon, mais ça va le dire tout à l'heure, dans les sections communales, par exemple, Lascaroubas, qui a plusieurs sections, c'est dans cette ville que tout le monde vient faire carte. Maintenant, si. Ils n'ont pas décentralisé ou bien déconcentré la question de dans le centre-ville. Ils l'ont pas mis dans la section communale. Un, est-ce que vous avez un moyen pour ça pour mettre dans la section communale? Parce que les gens qui viennent faire 4 tout, ça vous comprenez. Dis où vous avez une capacité pour faire un ensemble de 4, pas fait vraiment que vous avez fait 4 ça. Parce que le peuple haïtien a un gros problème. Ils sont très lents. Pour venir faire 4, il y a des gens qui prennent le temps. Deuxièmement, et les gens qui font 4 yo, par exemple, il a dit qu'on quantité 4 qui est imprimé, moi je fais 4 pas depuis plus que un an, je ne vais pas engager. C'est qu'on ou pas qu'on est histoire. De 2006, c'était la flotte de l'ONU oui, qui faisait les cartes. L'ONU te mettait 150 machines à disposition pour que tu fasses partie. C'est-à-dire que les machines qui sont marquées aux Nations Unies, c'est eux qui sont allés à technicien dans un de eux. Ils ont passé 3 jours à la batterie, il y a la section communale, localité où tu fais carte. L'ONU, ça n'a pas 10 machines, l'ONU, ça. Comment on va faire 4 là? Donc, il y a plus. Non, mais... Il y a une section, il y a un communio, par exemple, sous un département, pas le central, département du centre. Je vous ai dit qu'il y a 13 communes, oui. Donc il y a 13 machines, non? Ah ouais? Ah, mais vérifiez ça. C'est ça. Vérifiez ça. Donc, premièrement, c'est la question de logistique. Ça pose problème. Ça pose problème. Donc, je dis à l'ONU dit, il a fait 11 000 4 là, il me dit, menti. Et ça va être un danger, sénateur. Mais écoute, tu peux pas parler d'élection si 7 500 000 personnes qui sont en âge de voter, eh bien, ils n'ont pas qu'à faire 4. Ça ne va pas parler de problème, simplement technique. Donc, on ne va pas parler de problème d'analogue là, non? Qui fait que il y a un pile de monde qui dit qu'on va faire 4 là. Oui, ça c'est ça un autre problème. Ouais, ça, c'est un problème qui fait moi-même, on parle d'un système côté que les gens qui ont parlé de 4 de l'élection, il faut attendre 2022. Fin 2022 pour que vous ayez fait 4 yo et peut-être 2024 pour vous distribuer tout 4 yo. Mais c'est excusez, est-ce que n'y a pas grand danger? Le par exemple, où ni mettez accent sur question 4 ça yo, et vous dit 4 qui était là avant pas valable.
qu'il y a un monde, mais danger. Il y a un monde, par exemple, qui fait nouvelle carte là, carte des malogues là, mais qui a une ancienne carte là. Par exemple, moi-même, je fais nouvelle carte des malogues là, je fais ancienne carte là. Comme responsable des malogues, je n'ai pas bonne carte ça depuis un an et demi, je vais utiliser même carte que je gagne. Qu'il y a un autre monde même qui fait nouvelle carte là, qui jette ancienne carte là. Et puis devant, comme il faut qu'on aille dans l'élection, moun nan gade l'ouel pa jam quand il y a une nouvelle carte là, qu'on y a une ancienne carte là que le gagne, ol te jeté le. Qu'on y a pour prendre l'élection par exemple, comme un ensemble de haïtiens qui déjà gagne ancienne carte là et une décision qui vient prendre qui dit n'a fait élection avec ancienne carte là. Et puis moun sa remet de jeté ancienne carte là, il y a une nouvelle là. Ça qu'a passé pas un danger là. Non mais c'est quoi? On pas connait si l'autre jour tu gardé ce qui est arrivé au Burkina Faso, au Sénégal, où il y a eu presque ce même système de cartes. Leur fait l'autre carte, on a dit dans le pays, un officier qui a parlé, il dit carte, ancienne carte nous dégagons, est valable jusqu'à expiration, pendant que m'a fait nouvelle carte. Seulement, l'heure fini, nouvelle carte là, eh bien, c'est libre ou vite fait, ou pas qu'elle fait ancienne encore. C'est ça lié normal. C'est ça pratique, oui. C'est ça pratique. Et bien, Marie Siko, regarde ma carte, regarde qui l'a fini. Moi, la carte qui a fini en 2028. Oui, exactement. Mais son carte que j'ai fait son loi, juin 2005, qui lui-même, c'est mon droit. Toi, qui que j'ai gagné, c'est que 4 ça, moi, j'ai fait pour 10 ans et que l'a fini en 2028. Qu'on n'a pas vu l'autre loi pour la vie, les lois qui non. Article 51.2 a dit que. Justement, ou pas qu'à 51.2 Constitution, l'idée que ou pas la rétroactivité s'applique simplement en matière pénale. Et lorsqu'elle est favorable à l'accusé, ou pas qu'à retourner en loi pour dire que 4 n'est pas valable. Non? Ou en tout cas, il a couru pressé avec 4 là, c'est la question de Derbalog. Il voulait éliminer tout l'autre bagaille pour que Jodia ou obligé de prendre des malogues là. Ou pas ça vous fait? C'est la première fois que nos pays ont dit passeport. Est-ce qu'on va faire sénateur? Hein? Est-ce qu'on va faire 4 là? Qui 4? 4. Non, mon 4 qui est valable là. Et je vais faire 4 là. Je vais faire. Je vais faire parce que ce n'est pas comme ça. Nos pays, ils ont établi question d'identité. Ils n'ont pas établi d'identité dans le marché pressé, dans le marché pression. Vous faites? Non. Qui quantité 4 ça au cahier? 4 qui a expiré 2028? Parce que vous avez fait pas mal encore. Grand pays 4 qui a fait 2015, mais ça même si il a fait en 2016, je vais faire. Non, ça pour nous garder. Est-ce que nous avons une quantité de cartes, par exemple, qui a fini en 2028, j'en ai dit, hein? Par contre, si 500 000, si 1 million, il y a une façon, si vous êtes considéré 4 ça, vous avez déjà 1 million de monde qui. Mais dans tout pays sérieux, c'est ça pour vous être considéré. Parce que ça, c'est un droit acquis, que on ne pas qu'à venir retirer. OK? Loi, ça pas qu'à rétroactif pour éliminer les droits, ça que vous avez. Et dans tout pays, il y a dit que le 4 ça a fini, on va le faire l'autre là. Mais la question de Dermalog pose problème. Et si ça pose problème, il faut que rapidement, ils imposent 4 Dermalog à tout le monde. Mais sénateur, vous ne risquez pas de arriver dans un moment où vous ne pouvez pas faire une transaction. Bon, de toute façon, écoute, la défaite du droit. Improvisoire. Improvisoire. Mais si ça passait 1 an, 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas faire une transaction. La défaite du droit improvisoire. Nous, notre situation, d'ailleurs, avec cette carte, si on ne dit pas faire transaction, eh bien, la justice quoi, elle dit que 4 ans là. Ah oui, parce que normalement, son droit acquis que je gagne. Mais deuxièmement, cette question de carte en général, il pose problème. Il pose problème. La Cour des comptes n'a pas ratifié le problème de légalité. Je dis à son institution qui dit qu'on ne comptera pas bon, il fait quand même. Donc, je dis à est-ce que moi l'entrée par peur ou bien par acceptation pour me dire, eh bien, je résigne, ou bien pas résignation. Non. Non. On ne peut pas faire ça comme ça. Est-ce que parce que je dis, c'est l'identité des gens qui est en question. Est-ce que vous supérieur des comptes, par exemple, des jeunes qui ont cherché travail, qui par exemple, ont deux contrats. Contrat aux jeunes de Jobval. Et puis, ils ont gagné une nouvelle carte là. Et ancienne là. Et qui carte là, vous pensez, la Cour supérieure des comptes t'a... Écoutez, la Cour des comptes. Selon l'article 143.1, il dit que il y a un pouvoir pour que toute loi, tout arrêté qui est contraire à la Constitution, pour que lui-même le déclare au nul. Je dis à me penser que, je parle au mot exemple,
loi ça ou bien arrêté à l'encontre la constitution qui a vie droit qui de monde qui fait gagner l'autre là. Donc parce que je dis à il revient passer en fait, et ça me parle de leadership collectif, oui. Mm-hmm. Chaque monde doit prendre responsabilité. Il revient à tout un chacun de prendre ses responsabilités. Et responsabilité ça qui a fait que le pays a marché. Mais si je dis avant, il y a tout le monde flanché pour dire, eh bien, bon, fait ça, fait pas, bon, regarde, nous ne pouvons pas sortir de là. Le leadership individuel n'est pas la solution en Haïti. Mm-hmm. Parce que nous ne pouvons pas gagner, okay, nous ne pouvons pas regarder aux États-Unis. Ouais, tu comprends avec le leadership individuel, là. Mm-hmm. Vous voyez, j'ai baissé les États-Unis, dans les yeux du monde, la baissé puissance. Hein? Parce que le bon leadership individuel, tout le monde décide de bagarre, conseiller lui ou pas connaît. Donc, ça veut dire que, même dans les pays forts, à establishment fort, fort ont l'autre leadership. Faut réviser le leadership là. Mm-hmm. Eh bien, je dis à moi, parce que si chaque monde a essayé de sauver à côté, ou pas besoin d'arriver à sauver le pays, ou qu'à sauver tête. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être ça, moi, je dis, force importante qu'il a, l'absouti, non solidarité, côté, tout le monde a dit son win-win. Je ne pas bien à 100%, mm-hmm. mais je gagnerai à 50% lorsque le pays gagnera. Et 50% va perdre des individuels là, il n'y a pas rien devant ça qui représente un pays qui est fondé. Mmh. Mais sénateur, est-ce que je dis à la, par rapport à ça qui passe dans l'opposition et la population n'a pas une raison pour inquiéter si demain l'opposition ça t'a vu arriver une possibilité pour accéder au pouvoir? Parce que justement, donc le constat lit évident côté que et c'est dans la mentalité, nous, c'est dans ça comme culture politique. Il aime dire comme culture politique, lui. C'est tout un processus de socialisation là, difficile pour retirer ça dans la tête, là, qui quoi, c'est lui-même qui a fait. C'est le leader charismatique, c'est l'homme le plus sérieux. Après, il n'y a pas grand quoi. Donc, sénateur, il n'y a pas sorti Jodia. Est-ce que Jodia, nous, tant que vous dit, au bon leadership de. De surveillance. On dit deux mots à leadership de direction de gouvernance. Opposition m'a parlé là. Mm-hmm. Est-ce que nous avons pensé que.